Oh, les huiles vont arriver pour l'inauguration officielle. Je suis toute excitée. Ah ouais, oh. Tu veux dire plus que tout à l'heure? Oh, tais-toi donc, c'est l'ambiance fébrile, ça m'a gagnée. Eh ben... T'es si excitée que ça, quand même? Tiens, en parlant du défibrillateur. Oh, bah alors là, par contre, je suis affreusement gênée. Hein. Gênée? Toi? Arrête, me fais pas rire. Pour avoir égaré sa petite culotte à la machine à café, il faut quand même pas être si timide que ça. Non, mais Marc, oui, ça suffit. Et puis, c'est pas ce que tu crois. Hein. Tout est en place ici? Ouais, tout est en place. Les individuels sont prêtes. Il n'y a plus qu'à faire péter les boutons. Ah, ben voilà l'autre folle dingue. Où c'est qu'on se torche ici? Fais soif, hein. J'ai déjà commencé à célébrer de mon côté. Bon, si vous pouviez rester un peu discrète. Pourquoi? Parce que tous les éclopés n'ont pas été mis dans la salle d'attente numéro 2. Pour une fois qu'on a une heure tranquille pour se confrer la ruche. Et puis, question de discrétion, il y en a qui n'ont pas de conseils à donner. Hein. Ça y est, les voilà. Bon, essayez de vous tenir au moins pendant une heure. Les voilà. J'ai pas d'heure à recevoir d'un petit roquet misogyne refoulé du complexe d'Oedipe. Mais vous êtes aussi siphonné que vos patients, vous, hein? Bienvenue au service des urgences de Bourg, madame. Je voulais vous dire pour tout à l'heure, je sais pas vraiment ce qui m'a prise. Je suis désolée, j'ai un peu honte. Oh, c'est bon. Hop, hein, voilà. Non, mais hé, comment ça, n'en parlons plus? Vous aussi, vous regrettez ou bien? Oh bah c'est bon, on va pouvoir faire un fromage. Bon, bah d'accord, si vous le prenez comme ça. Enfin, d'un autre côté, on pourrait peut-être recommencer. Ouais, bah lâchez-moi les hormones avec vos. Hein? Lâchez-moi les basques avec vos hormones. Oh. Lymphomane. On m'a dit que le brunch était ici. Bon, le brunch, faut pas exagérer, hein. Ah, j'ai fini mes branchements en salle de radio, là. Eh ben. Et je suis sûre que tout est nickel maintenant. Pour une fois. Enfin. Faudrait peut-être essayer sur avec un animal avant. Vous avez des soucis avec le matériel, docteur, hein? Rien de bien grave. Les démarrages, vous savez ce que c'est. Et j'espère que la dame, elle va pas porter plainte. Mais non, voyons. Pourquoi une dame porterait-elle plainte? Oh ben quand même, eh. Vous avez failli faire de la moussaka avec son cerveau. C'est jeune, toujours avide de sensationnel. Mais, alors il paraît comme ça que vous êtes mariée avec un des employés de cet hôpital. Oui. Quelle extraordinaire coïncidence! La mairesse de Bourg, madame, et... Il travaille dans votre service, docteur. Simon, mon époux. Oh, oh, le petit que t'as. Oh, le salon! Le vol de sa mère! Simon, bien sûr! Mon éducant de famille, ici. Et puis, c'est sans doute cette grande complicité, ces liens d'affection qui nous unissent, que ressentent les patients et qui nous permettent... Mais non, voyons. Je suis venu ici hier pour me faire soigner. On s'est foutu de ma gueule. Voyons, jeune homme, c'est sûrement une... Toi, ta gueule. Je demandais pas la lune. Je voulais juste qu'on me soigne. Mais c'est ce brave monsieur Ponce. Mais non, putain, je m'appelle l'oiseau. Faut vous le dire comment? Putain, si vous me soignez, si vous me prenez pas tout de suite en charge, je la saigne. Oh, je reconnais maintenant cette bouchée. Oui, c'est ça. Mais non, je suis pas bouché. Oh. Oh, ça va, mon gars. Tu vas pas nous te mettre dans des états pareils pour une crise de la vocation, quand même. Non, puis si en plus vous tenez le couteau comme ça, je comprends que vous blessiez. Non, mais non, là, comme ça, là, voilà. De rien. Bon, allez, calmez-vous, Gérard. Vous voulez bien que je vous appelle Gérard? Mais non, putain, je m'appelle Clément. Clément Loiseau, on a discuté pendant une heure ce matin. Oh, bah si vous croyez que vous êtes mon unique patient, hein. Des cinglés comme vous, j'en vois défiler toute la journée, alors... Un cinglé, c'est tout ce que je suis pour vous. Un timbré anonyme. Faut que je devienne un assassin pour que vous vous souveniez de mon nom et de ma trombine. Oh, ah, arrêtez de me tripoter, obsédé, là. C'est une attaque terroriste, hein. Oh merde, je me suis encore trompée dans les fils. Oh, et dire que j'étais enfin parvenu sous le feu des projecteurs...